Hello les cricketeurs, on se retrouve aujourd'hui avec un super tuto hyper méga giga simple. On peut mettre encore plein d'autres adjectifs superlatifs pour le dire. Donc je vais faire une carte et je vais vous montrer comment la faire dans le design space. Et vu l'heure de l'enregistrement, ce ne sera pas une très bonne qualité si je vous montre comment ça se passe après sur la Cricut. Donc on va passer ici juste sur plutôt de la technique de comment utiliser le Cricut Design Space. Donc, let's go! Ici, on est sur le canevas, il est vierge et je vais rajouter une image. Et ici, dans la recherche, je vais taper carte, donc carte en anglais. Je vais prendre les cartes qui sont gratuites. Je rajoute ici l'image. Et voilà. Ensuite, je veux rajouter des cœurs. Donc, je tape heart. Mais je veux que ce soit un cœur qui soit uniquement de la découpe. Donc ici dans Heart Type, donc type de dessin, je mets que je veux juste de la découpe. Cut en deux. On a 87 résultats, donc c'est un petit peu moins. Parce que le filtre précédent de gratuit est toujours là. J'ai laissé ce filtre-là pour que tout le monde puisse faire le projet, même si vous n'avez pas la Cricut. Excusez-moi, si vous n'avez pas l'accès. Alors, je vais voir si je retrouve mon petit. Alors, ah, il est là. Je l'insère et je le mets ici. On va faire un peu plus petit, donc je prends les flèches ici en dessous, je les maintiens tout en cliquant et je le positionne. Donc voilà, c'est très joli. Et ce que je veux, c'est donc découper ce cœur dans ma carte. Et à l'arrière de la carte, on mettra un papier d'une autre couleur pour le faire ressortir. Donc pour ce faire, vous sélectionnez ici la carte. Ah, mais ça ne fonctionne pas, Anne-Sophie, il y a tout qui se sélectionne. C'est parce que tout est groupé. Ah ouais, ah ouais. Oui, il ne faut pas vous inquiéter, on est plusieurs dans ma tête. En fait, il y a Anne, il y a Sophie. Mais on s'entend bien, plus ou moins. Là, ça commence à être compliqué hein, avec le confinement et tout ça, mais ça va, ça va. Donc ici, je prends mon groupe et je le dégroupe. Et mon cœur qui est derrière, je le remets devant, comme ça on voit exactement comment ça se passe. Je sélectionne ici dans la panneau des calques le cœur et la carte. Donc vous voyez, les deux sont sélectionnés parce qu'ils sont grisés. Et je fais. Ah, il ne veut pas parce qu'il a attaché ici. Nom de zoo, nom de zoo, quoi. Je voulais le couper, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que en fait, la carte est attachée à une ligne de rayon. Donc je vais devoir détacher ici. Parce qu'on ne coupe que deux choses ensemble. Attention. Je remets mon petit cœur au-dessus. Je prends le cœur et la carte. Et là, je fais couper. C'est bien à fonctionner. Je sélectionne mon cœur. Je le supprime. Je sélectionne mon cœur. Je le supprime. Oh, look at that! Donc. Qu'est-ce qui va se passer quand on va découper? Tout va rester sauf les parties qui sont toutes seules. Les cœurs vont disparaître. En tout cas, ils vont pas être tenus à la carte. Tandis que Let's Grow Together, comme bye.